Bonne nouvelle, l'asphalte se termine. Après, c'est de la rocaille. Ah ben, j'ai pas eu aussi froid depuis France, hein. On sent vraiment qu'on est dans les montagnes. Bon, j'ai pas particulièrement faim, mais je me prépare un truc chaud à manger parce que, avec le changement de climat, quand on monte dans les montagnes, j'ai l'impression que mon estomac, il commence à faire des sottises. Du coup, je vais manger un petit truc chaud. J'espère que ça va m'aider. Et puis voilà, enfin bref, il fait super froid. J'ai la flemme de ranger mes affaires tellement il fait froid. Ce matin, je voulais même pas sortir de la tente. Il doit être environ 7 heures. Ouais, il doit être environ 7 heures, je crois. Et allez, après, on reprend la route. Comme ça, on traverse ces montagnes. Voilà. Allez, c'est parti pour la journée. Putain, j'espère que le soleil il va sortir vite hein, parce que là, je sais pas combien de degrés il fait, j'ai pas de thermomètre avec moi, mais rien que le changement de température de ce que j'ai eu avant à maintenant, j'aime pas le froid. J'aime pas le froid. Ça y est, on est parti. Alors, il est exactement 7h22. Heure locale. Oh putain! Ouais, j'espère quitter ces montagnes le plus vite possible parce que c'est joli, mais je sens que encore une nuit comme ça et tout mon repos de fesses aura servi à rien parce que je serai de nouveau fatigué comme un chien. Alors. On va progresser. On va juste chercher de l'eau à la source. Et après, on est parti sur la route. Bon, il y a déjà des voitures qui circulent. Donc, pas trop. Mais on sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui vont dans ma direction. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Si j'attrape un stop, je vais finir. J'adore le stop au Maroc.
première voiture qui passe, elle l'a eu. La route se divise ici. Je ne connais pas l'arabe, du coup je sais pas par où aller. J'ai fait un bon, allez, j'ai fait un bon 2 km à pied avec mon gros sac, puisque j'ai rejoint l'habitation ici. Je crois qu'au Maroc, dans les montagnes, les villages, c'est pas un regroupement de bâtiments. C'est plus des bâtiments qui sont espacés, plus ou moins dans la même région. Puisque 2 km par là-bas, la route que j'ai prise, on était à Agdir. Et je pense que Auberge Café Agdir, on est toujours à Agdir. Donc les villages n'ont pas la même structure que chez nous. C'est pas aussi entassé. Mais je crois que c'est comme ça un peu partout dans les montagnes. Il y a le écho quand je parle. Voilà, du coup j'attends ici à la croisée de la route. Je vois une voiture qui est là-bas dans le champ.
Elle arrivait vers mon sens, mais je ne sais pas si elle va continuer par là ou pas. Si je trouve quelqu'un, parce que pour le moment j'ai l'impression que c'est vide, il y a un âne. Si je trouve quelqu'un, je vais demander la route. Sinon, j'attends ici pour le moment. Allez, il y a une voiture qui est passée, mais dans l'autre sens. Mais bon, au moins j'ai demandé le chemin et je continue à marcher vers le village suivant qui se trouve à 14 km. J'espère vraiment qu'il y a un truc qui va rouler. Bonne nouvelle, l'asphalte se termine. Après, c'est de la rocaille.